Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, présente Livrez-vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Chaque semaine, nous nous efforçons de faire vivre les idées au travers des livres. Aujourd'hui, on va se pencher sur cette France des campagnes, mais des campagnes oubliées, celles qui traversent plus ou moins aisément les époques et la crise sanitaire. Et pour en parler, deux regards, le regard d'un journaliste, Luc Brenner. Bonjour, vous êtes Bonjour. Journaliste au Monde. Vous publiez Chaudin, la montagne blessée. Chaudin, c'est à côté de Gap. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. C'est aux éditions du Seuil. À côté de vous, Salomé Berliou. Bonjour. Bonjour. Nos campagnes suspendues, c'est aux éditions de l'Observatoire. Peut-être on pourrait débuter par un lieu dans l'Allier que vous connaissez bien, Salomé. Oui, j'allais dire, s'il faut commencer par un lieu, ce sera forcément pour moi Lurcy-Lévy, qui est une commune de 1900 habitants dans l'Allier, à trois quarts d'heure de Moulins sur Allier. Un lieu avec plein d'atouts, plein de potentiel, où effectivement il y a une très belle campagne, le bocage bourbonnais, où il peut être agréable de vivre, mais qui, il faut bien le dire, rencontre aussi un certain nombre de difficultés. On pourrait parler des déserts médicaux, de la fracture numérique, des questions d'égalité des chances pour les jeunes de ces territoires, du vieillissement de la population, de la fermeture des petits commerces. Et donc tout ça a évidemment une résonance particulière dans le contexte de la crise sanitaire. Autre lieu, Chaudin. Alors Chaudin est le recensement en 1895. Évoquait 95 habitants. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Luc Brenner ? C'est une histoire singulière, mais c'est en même temps une histoire universelle. C'est l'histoire d'un petit village qui, à la fin du 19e siècle, connaît une situation tellement difficile pour les habitants que les habitants, collectivement, décident de fuir et décident, pour certains, de partir en Californie, pour d'autres, dans d'autres vallées, dans les Alpes françaises, parce que soumis à la pression démographique, soumis à la crise économique, soumis aussi déjà à une crise environnementale, ils n'ont d'autre solution que de vendre leur commune, Chaudin, à l'État. Vendre la commune, ça veut dire c'est quoi ? C'est ce qui se passe en 1895. L'État, en l'occurrence, l'administration des eaux et des forêts, veut planter des arbres. Ils vont planter des millions d'arbres. Et donc, l'État accepte de racheter cette commune aux habitants. Et donc, les habitants vont vendre leurs maisons, leurs jardins, leurs terres, les forêts, l'église, la mairie. Et l'État va prendre la main complètement sur cette commune. Alors, ces habitants, par exemple, il y en a une que vous retrouvez, Félicie Marin. Mm-hmm. Qui est-elle, Luc Brenner ? Alors, Félicie Marin, c'est le début de mon enquête. C'est le début de mon enquête parce que dans le petit cimetière au fond de cette vallée en altitude, il reste une tombe. C'est la tombe de Félicie Marin, morte en 1877 à l'âge de 17 ans. Et partant de l'émotion ressentie face à cette dernière trace humaine dans cette vallée, j'ai voulu enquêter, j'ai voulu creuser, essayer de comprendre quel avait été son destin, celui de ses parents, de ses frères, celui de ses instituteurs, de ses curés. Et donc à travers elle et à travers tous les personnages que j'ai pu retrouver, raconter le destin singulier, mais le destin universel de ce village. Alors à Chaudin, pratiquement tout le monde était agriculteur. Aujourd'hui, justement, le destin, Salomé Berliou, de cette profession qui est aujourd'hui une profession qui peut faire rêver les uns, qui témoigne d'un certain nombre de difficultés. Quelle est-elle dans cette France ? Oui, mais c'est le paradoxe bien connu des Français qui disent adorer les agriculteurs, les trouver courageux, motivés, engagés et reconnaître leurs valeurs, on va dire, mais qui, dans le même mouvement, sont très critiques vis-à-vis de l'agriculture elle-même. Et ça, les agriculteurs disent en souffrir. Dans nos campagnes suspendues, je raconte à travers des exemples très concrets de vignerons, d'agriculteurs qui ont des grosses exploitations agricoles aussi bien dans le nord de la France que dans le sud, qui ont des bêtes, qui ont des exploitations d'asperges, de fraises un peu partout en France. À quel point est-ce que la situation de ces agriculteurs dans le contexte de la crise est à la fois dans certains cas certes celle de petits producteurs qui réussissent à tirer leur épingle du jeu grâce au circuit court notamment, et ça on en a beaucoup parlé,
mais à quel point il ne faut pas s'arrêter à cette image assez positive, encourageante et d'épinal de ce type de profil, parce qu'à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs, et en réalité, ils sont majoritaires, qui ont dû travailler beaucoup plus, dans des conditions très critiques, avec leurs enfants à la maison, avec beaucoup moins de main-d'œuvre et pas de main-d'œuvre qualifiée, qu'il fallait du coup former sur le tas, ça coûtait plus cher, c'était moins efficace. Donc, à nouveau, la question des agriculteurs dans la crise, elle montre aussi cette espèce de crise dans la crise, qui fait, à mon sens, et c'est tout l'objectif de nos campagnes suspendues, qui fait, à mon sens, qu'il faut se pencher sur cette France-là. La France des zones rurales, certes, mais aussi celle des petites villes, mais aussi celle des zones pavillonnaires, ce que certains, et ce que le géographe Christophe Guillouis appelle la France périphérique, on peut valider ce terme ou pas, mais en tout cas, la France où vivent aujourd'hui 60% des Français. Luc Bronner est agriculteur à Chaudun au 19e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, ça veut dire survivre, tout simplement. Et donc, au travers des mois qui passent dans l'année, trouver simplement les conditions pour franchir la semaine suivante et les 15 jours qui arrivent et le mois. Et donc, dans cette vie suspendue qui dépend complètement des conditions climatiques, qui vont dépendre aussi du destin des animaux qu'on peut élever et donc des épidémies éventuelles. C'est le clin d'œil à l'actualité. Et donc, c'est de ce point de vue-là une vie sans perspective. Ce qui m'a frappé notamment, c'est en faisant ce travail d'archives, de retrouver les cahiers de doléances des habitants de Chaudun en 1789. Il se trouve qu'en 1888, ils écrivent à l'État. Ils écrivent une très belle lettre au ministre de l'Agriculture, une lettre magnifique, splendide, très, très travaillée. Les mots sont quasiment les mêmes. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'une centaine d'années, il y a plusieurs révolutions, plusieurs guerres, plusieurs républiques, mais à Chaudun, la vie n'a pas changé. Et les conditions de vie, les conditions d'alimentation, de soins, d'éducation sont quasiment les mêmes sur une centaine d'années. C'est plus de la survie que de la vie ? Oui, je pense que c'est plus de la survie que de la vie, avec un niveau d'inégalité et de difficultés économiques, sociales, qui est absolument extrême, dont on n'a quasiment plus conscience aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas ce que nos arrière-arrière-grands-parents, c'est pas si loin que ça, quelles conditions de vie pouvaient-ils connaître dans des vallées aussi éloignées dans cette France républicaine ? Et oui, parce qu'on parle du progrès technique, par exemple, ce monde fixe au 19e, mais Salomé Berlioux, lorsqu'on parle là aussi des innovations d'Internet, c'est très très bien, hein. Internet, mais moi je vois que par exemple chez moi dans la Drôme, eh ben, Internet, on l'a pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, alors, dans le cadre des actions que je mène avec mon association Chemin d'Avenir, qui est une association qui informe, accompagne et promeut aujourd'hui plusieurs milliers de jeunes des zones rurales et qui les accompagne dans leur parcours académique et pré-professionnel, très souvent, les Parisiens vont avoir tendance à dire « Mais aujourd'hui, un jeune dans la Drôme, un jeune dans la Nièvre, un jeune dans l'Ain, grâce à Internet ?» C'est bon, il peut s'orienter, il n'y a aucune difficulté. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, il est plus facile de s'informer aujourd'hui qu'il y a 20 ans, de la même façon qu'il est plus facile de circuler, d'être mobile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. 30 ans. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas en un claquement de doigts, si on arrive à accéder à Internet, au haut débit et à trouver sur un site Internet telle profession qui est différente de son environnement social ou géographique, c'est pas pour autant que ces jeunes vont pouvoir y avoir accès. C'est les exemples que je redonne dans nos campagnes suspendues après les avoir détaillés plus amplement dans mon premier ouvrage Les Invisibles de la République que je co-écrivais avec Erki Maillard et qui vraiment cherchait à attirer l'attention sur la jeunesse de ces territoires. Un jeune homme d'origine modeste dans les Vosges qui tout à coup, alors que ses parents sont au chômage ou sont peut-être routiers ou horticulteurs, découvre le métier d'ingénieur ou qu'il peut faire éventuellement un BTS commerce ou qu'il peut faire Sciences Po pour devenir diplomate. Pour autant, une fois qu'il l'a trouvé sur Internet, il est toujours loin de ces opportunités-là et bouger coûtera cher, aura un impact psychologique, matériel et financier pour lui et pour sa famille. Alors, toujours quand on continue dans ces mythes, Luc Bronner, on se dit qu'il y avait au moins une promesse d'égalité républicaine au travers de l'école. Qu'est-ce qui se passait à Chaudun ? Alors, l'école est très modeste à l'époque. On a, dans mes découvertes assez fascinantes, dans ce travail d'archiviste assez pointilleux, il y a les notes administratives des instituteurs de Chaudun. Et là, c'est vrai, contrairement à tout ce que j'avais lu et tout ce que je pensais, on envoyait dans ces lieux-là les instituteurs dont on ne voulait pas ailleurs. Et donc, en fait,
finalement, contrairement au mythe républicain d'une construction par l'école très égalitaire, déjà à l'époque, on avait des territoires perdus de la République. On avait déjà à l'époque, fin du 19e siècle, au moment où l'école est en train de prendre son impulsion, notamment sous l'influence de Jules Ferry, on avait des écoles qui étaient complètement laissées pour compte. Et c'est vrai qu'en regardant ce que faisaient les élèves à l'époque, en regardant les destins scolaires, les destins d'émancipation de cette jeunesse-là, c'était catastrophique. Alors, c'était le point de départ d'une grande avancée en termes d'éducation. En termes de connaissances, par exemple, ça donnait quoi ? C'était des connaissances très répétitives, très axées sur la seule mémorisation de dates en histoire ou l'apprentissage d'une écriture et de règles grammaticales. Donc, on était sur une transmission, un peu comme pour l'Église, finalement. Le modèle éducatif a connu une transition d'un modèle conçu par l'Église vers un modèle républicain. Mais dans cette phase intermédiaire, on est dans un apprentissage qui valorise l'obéissance, qui valorise la répétition et qui est donc un modèle républicain dont j'entends parfois des discours nostalgiques. Il y avait sans doute des avantages, il y avait quand même un mode éducatif qui ne fonctionnerait absolument pas dans la société qu'on connaît aujourd'hui. Alors maintenant, si on passe aux personnes âgées, vieillir dans cette France-là, Salomé Berlioux. On sait que c'est une France où il y a effectivement beaucoup de seniors. Alors certains ont décidé d'aller s'installer en province, comme vous le disiez, y compris à la retraite, mais souvent c'est plus dans des zones touristiques, dans le sud de la France, et on les comprend. D'autres y ont passé d'ailleurs toute leur vie, et ces personnes âgées-là sont nombreuses. Ça a évidemment des atouts, notamment du point de vue de l'espace, du point de vue de l'air que l'on respire, éventuellement du point de vue économique aussi, parce que c'est une évidence, les loyers coûtent moins cher. En ce qui concerne les personnes âgées qui ont toujours vécu là, il y a une espèce de proximité aussi, souvent de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui, on va dire, peut adoucir les années qui passent. Une fois qu'on a dit ça, et on le voit très bien dans la crise, il y a une espèce d'isolement de ces personnes âgées, parce que tout est loin, parce que quand il faut aller faire les courses, parce que quand son mari va dans un EHPAD, à nouveau, il faut faire parfois trois quarts d'heure, une heure de route pour pouvoir aller le voir, parce que la poste a fermé dans la commune d'à côté. Et donc tout ça se retrouve dans le cadre du coronavirus, puisque ce sont des personnes qui sont à la fois confinées et isolées. Et c'est un exemple que je donne d'une dame qui a à peu près 80 ans et qui dit « Mais moi, je n'avais pas même le loisir d'applaudir à ma fenêtre et de voir des visages sur le balcon d'en face. Je me serais sentie ridicule d'applaudir en pleine campagne. Je n'ai pas de voisins. » C'est symbolique. C'est évidemment pas... D'abord, ce n'est pas dramatique d'une part. Et d'autre part, dire ça, ça n'est pas sous-estimer la difficulté du confinement pour les personnes âgées dans les grandes métropoles. Mais c'est dire qu'il y a cette situation particulière qui souvent est renforcée aussi par les déserts médicaux et la crainte qu'on voit particulièrement dans cette deuxième vague d'attraper le virus et d'être à une heure et demie du premier médecin. Chaque semaine, dans Livrez-vous, on s'efforce d'inviter un invité qui ne viendra pas. Et généralement, si l'invité ne vient pas, c'est parce qu'il est mort, donc il a une bonne excuse. Et cela nous permet de vous présenter un ouvrage important sur le thème que nous analysons. Cet ouvrage, cette semaine, c'est le livre d'Eugène Weber sur la fin des terroirs, une période qui va de 1870 en France à 1914. Et ce livre, vous le trouverez aujourd'hui en édition de poche plurielle. C'est un débat parmi les historiens. Quand est-ce que le monde rural français a cessé sa progression, son dynamisme? Faut-il remonter à la Révolution française ou bien en 1914? Et pour Eugène Weber, la date marquante, c'est véritablement cette période-là. C'est un livre que vous avez beaucoup lu, Luc Bronner, pour analyser ce qui s'est passé à Chaudun, à côté de Gap. Oui, c'est un excellent livre. C'est évidemment une référence, mais c'est par ailleurs un vrai plaisir de lecture. Moi, je suis très sensible je ne suis pas historien, je ne prétends pas du tout l'être. Je suis très sensible à l'écriture des historiens. Et pour le coup, c'est vraiment un livre qui se lit assez facilement, qui a une quantité de références. Eugène Weber avait fait un travail formidable dans les archives départementales, notamment pour sortir du travail d'archives à l'échelle nationale. Et ça démontre sur la fin d'un monde, sur un choc civilisationnel au fond, c'est-à-dire comment ce qui définissait l'identité d'un pays commence à se fracturer. Il observe des premières fissures et puis progressivement il voit comment sur cette période d'une quarantaine d'années en fait s'opère une bascule dans la société française d'un monde
d'abord rural, défini par la paysannerie, à un monde qui se déplace vers les villes et qui, du coup, va aussi progressivement se concevoir en fonction notamment du monde ouvrier. Et en sachant évidemment que dans le même temps, il y a des guerres et qu'il y a ces moments-là qui démultiplient encore plus les transformations. Et donc, c'est vrai que c'est un livre, je pense, qui est formidable pour des étudiants en histoire, mais qui est formidable pour tout citoyen qui aujourd'hui a envie d'avoir un regard approfondi sur notre société. Et c'est un monde aussi que symbolise Chaudun, parce que c'est quand même incroyable ce village où les gens, les habitants disent, voilà, on n'y arrive plus. Quoi. C'est la première histoire. Et c'est vrai que je suis parti de là, c'est d'essayer de comprendre comment une communauté d'habitants, vous disiez tout à l'heure, ils étaient environ une centaine à la fin, comment ils réussissent à se mettre d'accord de façon unanime pour ce geste qui est parmi les gestes les plus difficiles, la décision de tout abandonner et d'émigrer en France ou à l'étranger. Mais y compris en Californie, puisque Eugène Weber, il faut le dire, enseignait à UCLA. Voilà, et donc certains sont partis parfois pour éviter le service militaire. C'est vrai qu'il y avait aussi à cette époque-là un service militaire très long, et donc partir en Californie, c'était aussi une façon non seulement de réaliser un rêve, mais d'éviter un cauchemar qui était le cauchemar du régiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait pour moi l'envie de comprendre comment une communauté prend une décision aussi forte. Mais il y avait d'autre part l'envie de comprendre comment l'État, à l'époque, prend une décision d'un État visionnaire. Comment des fonctionnaires qui sont, des hauts fonctionnaires parfois, qui sont complètement tombés dans l'anonymat, ont cette vision de se dire il faut préserver des espaces et il faut investir. Et ils vont décider de planter plus de 4 millions d'arbres dans cette vallée, 4 millions d'arbres, avec l'idée que le résultat ne se verra pas en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, il se verra en 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et ça, je trouve que c'est intéressant, là aussi, dans ce décalage entre l'histoire et le présent, comment, à certains moments, on voit des gens, on voit des individus qui sont capables d'avoir une vision sur la société. Chapeau. Salomé Berlioux, on se dit que cette France rurale, elle va être métamorphosée après le confinement. Je crois qu'on en est à 2 confinements, si ma mémoire est bonne. Et par conséquent, que la plupart des citadins vont fuir les grandes villes pour aller s'établir en campagne, vous en pensez quoi ? J'attends avec intérêt de voir ce ruissellement de population qui devrait se faire. Enfin, une théorie du ruissellement qui fonctionne. À nouveau, par la grâce du télétravail, même si, comme vous dites, parfois il n'y a pas Internet dans ces territoires, ou en tout cas pas de haut débit, par la grâce du TGV qui, sauf erreur de ma part, ne va pourtant pas à chaque fois aux portes de ces territoires. Non, je pense qu'il faut faire très attention à ça, c'est ce que j'essaie de décrire. Oui, il va y avoir probablement des volontés, et on le voit déjà, de certains urbains de quitter le centre de Paris, de quitter le centre de Lyon pour aller s'installer. Souvent, en tout cas c'est ce qu'on voit aujourd'hui, à une demi-heure, trois quarts d'heure de cette grande métropole pour pouvoir tout simplement continuer à y venir travailler, parfois en banlieue. Dans le Morvan, la Creuse, l'Allier, pour ne reprendre que cet exemple que je connais bien pour y avoir grandi, cette volonté-là, se heurte systématiquement, et c'était déjà le cas avant le confinement, à la réalité de ces territoires dont on parlait. Pourquoi ? Parce que pourtant, le Morvan, c'est plutôt bien desservi par la route, moins par le rail. Oui, malgré tout, si vous voulez notamment télétravailler et faire éventuellement une partie de votre semaine à Paris, on donnait tout à l'heure l'exemple de Nevers. Nevers, ça reste toujours encore aujourd'hui à 2 heures de train de Paris. Donc, c'est jouable. Mais vous ne pouvez pas faire l'aller-retour chaque jour. Non. C'est d'une lourdeur logistique qu'on ne peut pas sous-estimer. Et si vous voulez, il y a un sondage de l'IFOP que je trouve assez éclairant avant la crise, qui montre que 57% des urbains disent avoir envie de quitter leur grande métropole pour aller vivre plus près de la campagne. Mais immédiatement, les mêmes citent les obstacles à cette envie, à savoir la question de l'emploi, la question des transports et la question des services publics. Aujourd'hui, malgré tout les atouts de ces territoires, et qu'il ne faut d'ailleurs pas sous-estimer, et enfin, je pense que nos deux livres cherchent aussi à montrer justement l'art de la débrouille qui existe, les engagements des élus locaux, les engagements des citoyens, des associations elles-mêmes qui se battent pour telle commune, pour tel département, et donc ça existe, et il faut le dire sans misérabilisme justement. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'aller élever ses enfants dans ces territoires-là, vieillir dans ces territoires-là, travailler dans ces territoires-là, il fait un choix. Ça emporte une série de conséquences qui peut freiner l'épanouissement, la réalisation de soi. Et Luc Brunner, lorsqu'on est, alors non pas à Chaudun, puisque Chaudun, on peut y être avec les chamois, mais lorsqu'on est à Gap aujourd'hui et qu'on voit le chemin parcouru en l'espace d'un siècle.
Ah, c'est un espace, c'est un chemin qui est considérable. Gap, en l'occurrence, c'est une préfecture, un peu plus de 30 000 habitants, avec des services publics qui ont tenu, avec une activité économique traditionnelle autour de l'agriculture, mais aussi avec le développement du tourisme. C'est vrai que ça fait partie de cette France que Houellebecq a pu décrire d'une certaine façon, qui tient aussi par l'activité touristique, par le patrimoine, par la nature. Ça tient par la nature, notamment parce que les gens dont je parlais tout à l'heure, il y a quelques dizaines d'années ou quelques un peu plus, ont fait le choix de préserver la nature contre le développement économique parfois, contre parfois les stations de ski, des débats qui sont toujours récurrents dans cet équilibre entre le développement économique et la préservation de la nature. Et donc c'est vrai que par rapport à ces France périphériques que vous décrivez, ça fait partie de territoires ruraux qui, je pense, réussissent à maintenir une activité économique, et donc un minimum d'emploi et donc un minimum de réseau de transport, de capacité à proposer une offre satisfaisante aux habitants. C'est très fragile. Je vois par exemple, c'est des débats qui ont pu agiter le Sénat sur la question des trains de nuit. Voilà, ça peut être des décisions politiques prises pour des raisons qui va jusqu'à Briançon. Qui va jusqu'à Briançon. Et qui passe par la Drôme. Et qui passe, et qui est assez formidable, puisque ça permet de se réveiller le matin à Briançon ou en sens inverse à Paris. C'est vrai que la motivation budgétaire qui conduit à fermer ce genre de ligne est une motivation de très court terme. On voit bien le calcul, ça n'est pas rentable, ça ne le sera jamais, probablement. Néanmoins, dans la survie d'un territoire, finalement, des sommes qui sont relativement réduites ont un impact majeur sur la vie d'un territoire. Quelques mots au Salomé Berlioux pour voir justement comment on pourrait sortir de cette situation. La question aujourd'hui, et je ne dis pas qu'elle est simple, mais c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut décider collectivement que l'après-crise sanitaire, toute la question de la relance de l'après-crise, pourrait être un moment territoire. Est-ce qu'on va décider que non seulement on ne laissera pas ces territoires décrocher définitivement, mais est-ce qu'on va décider de prendre à bras le corps la question de la France comment ça suppose peut-être de systématiquement se dire, et ça peut sembler un peu artificiel dans un premier temps, mais manifestement on n'a pas ce réflexe, et en France il y a une espèce de hyper-focalisation sur les grandes métropoles et sur leurs banlieues, à raison en partie, parce que c'est aussi là la grande pauvreté est dans les grandes métropoles, c'est une réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on ne pourrait pas systématiquement, pour toutes les politiques publiques auxquelles on réfléchit dans les prochains mois, imaginer un pan, un axe ruralité et un axe petite ville en matière de lien avec l'Union européenne, en matière écologique, en matière d'éducation. Il n'y a toujours pas aujourd'hui de politique éducative rurale. Les jeunes ruraux, c'est un quart des jeunes français en matière de transport, en matière de... Et donc, des choses existent. Hein. Il y a certains dispositifs, des mesures incitatives qui sont en train d'être remises sur le devant de la table aujourd'hui. Je pense par exemple au dispositif Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville. Des choses sont faites, mais on ne pourra pas se contenter de mesures homéopathiques à ce stade. C'est l'heure de retrouver notre chroniqueuse Marie-Pierre Bourgeois pour prolonger notre réflexion. Chaque semaine, Marie-Pierre Bourgeois évoque des livres en rapport avec le thème évoqué, en l'occurrence les territoires oubliés. Cette semaine, la ruralité fait aussi l'actualité littéraire. Je voudrais commencer par vous parler d'un long titre, Comme on serait bien à la campagne, Panique dans la France périphérique, écrit par Jean-François Lhérété aux éditions Confluence. Ce fonctionnaire, passé par l'ENA, prend la plume pour raconter la rencontre de deux mondes qui ne se connaissent pas. D'un côté, celui de la Commission européenne et de l'autre, celui d'un petit village du Sud-Ouest. Trois fonctionnaires y débarquent. Ils viennent dans cette petite commune de Ruffignac contrôler l'utilisation des fonds européens avant de susciter la franche indifférence des habitants. Écoutez, à Ruffignac, la Providence en soi louée, c'était la vraie vie. À milieu des tumultes du monde. Une enclave paisible, peuplée de citoyens normaux et pris de tranquillité. Des braves gens, insouciants comme on peut l'être quand on ne se prend pas la tête, avec des sujets aussi fumeux que les effets de la mondialisation. Un autre roman que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de Mathias Hénard. Le titre est aussi un peu long. Il s'appelle « Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs chez Actes Sud ». L'auteur de « Boussole », qui a eu le prix Goncourt en 2015, nous prend par la main pour nous raconter la vie de David Mazon.
David Mazon, c'est cet étudiant qui s'installe dans les Deux-Sèvres avec un objectif, écrire sa thèse. En voici le thème, ce que cela veut dire de vivre à la campagne aujourd'hui. L'occasion pour David de découvrir sa nature profonde et de nous raconter l'histoire des familles de ce petit village dans lequel il s'installe. C'est un roman foisonnant qui multiplie les récits et même les points de vue. Elle m'a conseillé tout de go d'acheter une voiture. À la Pierre Saint-Christophe, il n'y a qu'un café où l'on trouve des produits de première nécessité, c'est-à-dire des hameçons, des clopes et des cartes de pêche. Je me sens aussi loin qu'au milieu du Pacifique. Et enfin, Nature humaine aux éditions Flammarion. C'est le prix Femina de cette année et Serge Joncourt y raconte, à travers la vie d'une ferme dans le Lot, toutes les grandes et les petites transformations politiques et sociales de la France ces 30 dernières années. C'est aussi l'occasion de nous montrer comment nos histoires personnelles s'enchevêtrent avec les grands événements français. L'histoire, on s'en tient à distance, alors qu'elle est toujours là, à vous tenir en joue. L'époque vous rattrape toujours. En retournant à la ferme communautaire, Alexandre se mit à les envier tous. Ils avaient fait le choix de sortir de l'histoire. La ruralité, pour vous évader de cette période troublée, une bonne idée. Bonne lecture cette semaine. Merci beaucoup, Luc Bronner, de nous avoir rendu visite. Chaudin, la montagne blessée, votre récit. Ce village vendu à l'État aux éditions du Seuil. Merci, Salomé Berlioux. Nos campagnes suspendues, la France périphérique face à la crise. C'est votre constat, il est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, vous a présenté « Livrez-vous ».